Salut à tous, Eric Le Gaulle chez Galagol Music. Aujourd'hui, un petit peu de piano avec l'explication de comment qu'on joue le générique de la série Games of Thrones. Voilà, donc pour ce morceau, je vous ai fait un repiquage, donc c'est une interprétation. Hein. Donc pour les besoins du morceau, je vous ai fait commencer le thème avec les mains qui se croisent. Donc c'est une technique qu'on n'avait pas encore abordée dans mes tutos. Et le fait d'avoir la main droite qui joue dans les graves comme ça permettra de rappeler un petit peu la sonorité du violoncelle. Voilà, donc les explications porteront sur la moitié seulement du morceau. Si jamais vous souhaitez la seconde partie, n'hésitez pas à lâcher des commentaires afin de me le réclamer. Et juste avant de commencer, je me permets de vous incruster ici, voilà, une petite vidéo en forme d'interview qui a été réalisée par Fred de la chaîne YouTube guitardébutant.fr. Je le remercie de m'avoir posé quelques questions et tout, on a passé un excellent moment café guitare. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo et également visiter sa chaîne pour découvrir ses tutoriels de piano et de guitare. Voilà, assez de blabla, attaquons. Alors, intro du morceau. Sur mon piano, le do du milieu est ici, très bien. Nous, on va commencer une quinte juste au-dessus, c'est-à-dire ré, mi, fa, sol. Sur la note sol ici, on va mettre le petit doigt dessus, le pouce sur le do. Et le 3, on va le préparer sur le mi bémol. Donc ce morceau est à 3 temps, c'est un peu comme si on était dans une valse. Donc le thème va donner ça. Sol, do, mi, fa, sol, do, mi, fa, en comptant les temps. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et... D'accord, donc une seule mesure de ça donne... 1, 2, 3 et... D'accord, donc cette mesure-là, vous la faites 4 fois de suite. 1, 2, 3... Les quatre mesures suivantes, ça va être la même rythmique, mais le mi bémol devient ni un mi bécard. Ce qui fait qu'au départ, on jouait franchement un accord de do mineur, et après, ça devient ra, do majeur. Et ça offre une espèce comme ça d'élan épique. Donc les mesures 5 à 8 de l'intro deviennent sol, do, mi bécard, fa, sol, do, mi, fa, sol, do, mi, fa. Et sur cette quatrième mesure, on va uniquement faire sol, do, mi, trois noirs d'affilée, parce qu'il va falloir qu'on fasse un... Et la quatrième mesure, ça donnera trois noirs. Sol, do, mi. On vire les deux croches parce qu'il va falloir qu'on se déplace et tout ça. Donc main droite, les huit mesures de l'intro. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2. Quatrième mesure, do, mi, fa, sol, do, mi, fa, sol, do, mi, fa, sol, do, mi. Stop. La main gauche, elle va faire dodo. Eh oui, elle fait vraiment dodo. Les blagues de musicien. Et rythmiquement, on va faire une blanche et deux croches. Donc, blanche, deux croches, blanche, deux croches. Avec le temps, 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et... Donc les deux croches de la main gauche tomberont en même temps que les deux croches de la main droite. Comme ça, je me suis dit que ce serait peut-être plus facile à jouer. Du coup, mains ensemble, les quatre premières mesures de l'intro. 1, 2, 3, sol, do. Au niveau de la pédale, vous pouvez la laisser enfoncer tout le temps pour que ça fasse une grosse snap exprès. Même quand vous changez de do mineur à do majeur, on peut conserver vraiment cette pédale, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Une espèce d'ouverture comme ça qui va vous permettre de sonner bah, genre comme ça. Fin de l'intro. Alors ensuite, il faut voir en priorité ce que va faire la main gauche. La main gauche va être occupée à faire 4 positions d'accord. Ok. Alors il s'agit ici d'une adaptation. Hein. Le but du jeu de mon repiquage n'était pas de repiquer tous les instruments de l'orchestre, mais de faire en sorte qu'en mode solo, comme ça, ça puisse bien sonner. Et si possible, que ce soit pas trop difficile à jouer. Donc, le premier positionnement de la main gauche, ce sera un accord de do mineur. Donc là, la main gauche reprendra donc hein, le do du milieu. Et on va plaquer do mineur. Donc do, mi bémol, sol. Voilà l'empreinte de l'accord. Avec 4, 2, 1 au niveau des doigtés. D'accord ? Le deuxième accord, ça va être un sol mineur qu'on va faire en dessous. Donc on trouve la note sol, clac, et donc si bémol par-dessus, et ré. Cool. Donc les deux premiers positionnements, travaillez-les déjà en bloc, comme ça. Do mineur, sol mineur. Ensuite, on aura un accord de si bémol majeur. Oh mon dieu ! On trouve la note si bémol, elle est là. Et le si bémol va donc donner si bémol, ré, fa. Voilà notre troisième accord. Même doigté. Si vous voulez, vous pouvez mettre éventuellement cinquième, 3 et pouce au niveau de tous les doigtés. Mais 4, je trouve ça mieux. Et le dernier accord, ça va être un fa mineur. Donc on va trouver la note fa en dessous. Ce sera le plus grave de nos quatre accords. Et fa mineur va donc donner fa,
La bémol et Do. D'accord ? Les quatre positions d'accord d'affilée. Do mineur, Sol mineur, Si bémol, Fa mineur. Ouais. Ensuite, sur chacun de ces accords, ce qu'on va faire, c'est une espèce de pompe valse. Il y a des pompes manouches, il y a des pompes blues, il y a tout ce qu'on veut. Et la pompe valse donnerait la basse et les deux notes du dessus. C'est-à-dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça, ça marchera très très bien. Poum, jack, jack. Poum, jack, jack. Une seule mesure donnera 1, 2, 3. Là, on a fait le job sur une mesure, d'accord ? Donc, ce qu'on va vouloir, c'est 4 mesures sur chacun des positionnements. Genre, première mesure. Deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, et je vais changer vers le sol mineur. Deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, etc. On aura pareil sur le si bémol, quatre fois, voilà, et quatre fois en fa mineur également. Donc, amusez-vous déjà pour l'instant à bosser vraiment cette main gauche en boucle. Etc. Voilà, avec ça, vous savez faire toute la première partie du morceau. Alors à présent, le thème de la main droite, qu'on va jouer par-dessus cette main gauche. Pour commencer, je préfère vous la montrer dans l'aigu. Parce qu'après, comme vous avez pu le voir dans la démo, on va faire un croisement de bras et tout, c'est très joli. Et puis surtout, ça permet de sonner avec une mélodie qui va ressembler au violoncelle. Donc le thème, les quatre premières mesures vont donner ça. Vous vous placez sur un sol. Voilà, le do de milieu est toujours ici. Hop! Je saute une octave et demie et je vais chercher cette note-là. Le thème, les quatre premières mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Là, on a fait quatre mesures. Donc, Sol, trois temps. 1, 2, 3, après Do, trois temps. 1, 2, 3, après Mi, Fa, Sol, deux croches blanches. Oh, le chat est passé. Deux croches blanches, d'accord. Soit avec 3, 4, 5, soit avec 2, 3, 4 pour les doigts, c'est comme vous voulez. 1, 2, 1, 2, 3, Mi, Fa, Sol, 3, 1, 2, Mi, Fa, ok, mains ensemble, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, encore une petite fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, deux croches blanches, voilà. Ensuite, les quatre mesures suivantes. On va déplacer la main droite, on était donc comme ça, et on va tout décaler vers les graves. Donc, on va choper le Ré avec le 4. Voilà, et ici, on va trouver un contre-champ, c'est-à-dire une mélodie qui répond à la mélodie initiale, comme si c'était un dialogue qui s'opérait. Et donc là, on va avoir donc les mesures 5, 6, 7, 8. Ré, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Ré. Donc j'ai fait exactement le même rythme que ce qu'on avait dans l'intro, sauf qu'au lieu d'être sur une disposition de Do mineur pour faire le... Tac, je me suis déplacé sur une position de Sol mineur, et j'ai juste transposé vraiment ma mélodie pour donner... Ré, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si bémol, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré... Et là j'ai mis trois noirs d'affilée, donc Ré, après Sol, et Re-Ré, mais ce coup-ci pour le doigté... avec un 3, parce qu'après, on va se diriger vers une position de Si bémol majeur, exactement ce que va faire la main gauche d'ailleurs. Alors les mesures 5, 6, 7, 8, mains ensemble, la main gauche est donc sur son deuxième positionnement, le positionnement de Sol mineur, et la main droite va également donc se positionner comme ça. Et ça va donner, mains ensemble... Ensuite, les mesures 9 à 12, donc on avait terminé comme ça. Ensuite, on va chercher la note Fa, soit avec le 4, soit avec le petit doigt, comme vous voulez. Peut-être le petit doigt, ce sera mieux. Et là, ça va donner. Alors, on va rentrer un petit peu la main dans les touches noires, parce que le pouce va être sur un Si bémol. Si vous êtes comme ça, votre main va être obligée de tourner. Non, vous avancez. On peut tout à fait faire ça au piano, effectivement, même si on n'y pense pas. Hop, en se plaçant comme ça, le pouce n'a plus de problème et on évite d'avoir le poignet cassé sur le côté. Donc, mesures 9 à 12 vont donner ça. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, Mi, Ré, encore une fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mi, Ré, Fa, 3, 1, 2, Mi, Ré, mains ensemble, la main gauche est sur le Si bémol majeur, ça va donner 1, 2, 3, 1, 2,
quatrième plan, c'est quand la main gauche descend sur un Fa mineur, Fa, La bémol, Do, souvenez, et la main droite, donc qui finissait sa mesure par Mi, Ré, va se redéplacer pour viser également un accord de Fa mineur pour pouvoir être en place. Donc le 4 sur le Do, et ça va donner Do, Fa, La, Si, Do, Fa, La, Si, Do, Fa, La, Si, Do, Fa, Do. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait dans les mesures 4 à 8, sauf qu'on était sur un Sol mineur. Souvenez-vous, Sol mineur, ça donnait... Bon, bah là, on a transposé exactement la même chose, rythmiquement et mélodiquement, sur un Fa mineur. Avec la main gauche, qui fait donc son poum tchak tchak sur Fa mineur. 1. Et je finis sur 3 noirs. Voilà. Voilà, bah je vous joue les 16 mesures, déjà une fois sans pédale. 1. Bah voilà, donc si vous êtes déjà bien à l'aise avec ce positionnement-là, vous pouvez essayer la disposition où la main droite ra joue une octave en dessous. La mélodie sera exactement pareille. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on va se retrouver vraiment à jouer à la cave. Donc c'est assez esthétique, hein, comme vous pouvez le constater, ça change un peu. Et j'ai fait ça parce que je voulais vraiment que la mélodie se détache dans les graves pour faire ressembler au son du violoncelle, en tout cas rappeler le registre grave. Et pourquoi j'ai pas fait l'inverse? Pourquoi j'ai pas fait le poum tchak tchak à la main droite et la mélodie à la main gauche? Parce que généralement le pianiste est habitué à avoir ce genre d'accompagnement à la main gauche, et le mettre franchement à la main droite, c'est très déstabilisant. Alors la première mesure, bim, la main gauche est ici, donc je suis bien sur mon Do du milieu, et la main droite prend par-dessus, et va également essayer de visualiser la position, le positionnement de Do mineur. Et c'est parti! Une fois que vous êtes rendu là, les deux mains descendent comme ça. Ensuite, Si bémol majeur. Plaf, je visualise Si bémol aux deux mains. Ici, ici. Et c'est parti, 9e mesure. Mineur, blâme. Et on recommencerait ça une deuxième fois dans les graves, et c'est uniquement sur la troisième fois que la main droite se déplacera dans l'aigu pour refaire le thème avec une toute petite fin qui change, et puis vous aurez terminé en tous les cas pour toute cette première partie du générique de Games of Thrones, la démo depuis le début. Son Do, que la main droite passe par-dessus, et hop là! Je refais l'enchaînement. Bossez beaucoup ce truc-là, voyez. Voilà, c'est juste ça, bien géré. Une fois que vous êtes placé, vous êtes placé. On se retrouvera ici, la main gauche ne change pas d'endroit, mais la main droite chope le sol, qui est une octave au-dessus du positionnement de la main gauche. Mais je m'enflamme!
Et bien voilà, j'espère que ces explications vous auront plu, vous permettront de bien vous amuser à jouer ce morceau. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo, à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ou bien vous abonner à la chaîne Galago Musique, et ou à nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Voilà, il me reste à vous souhaiter bonne musique à vous, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao.